activités ont été menées par les leaders solidaires de Medejonu au centre des Pepitas ce samedi 11 septembre 2021 pour clôturer en beauté les vacances d'une part et pour lancer la rentrée académique 2021-2022 d'autre part. Pepita, ça fait 3 ans qu'on travaille avec les enfants comme ça. Chaque année, on fait vacances-là et on sélectionne des nouveaux enfants et on les forme. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et cette année 2021, ils sont au moins plus de 70. Hein, 70 et qu'on a formé. Qu'est-ce qu'on fait? On fait nos rythmes, c'est le rythme de base. Par exemple, le Zinli de Louémé, le Zinli d'Aboumé, les Yor, le Kaka, le Gango, tout et tout, le Massé Goron, le Djegbe. C'est tout ça là qu'on travaille avec ces enfants. Il y a une la troupe Pepita, qui sont des enfants que vous voyez partout à l'international, qui jouent pour valoriser nos danses et chants à l'extérieur. Nous sommes à la veille de la rentrée. Ils doivent commencer les classes la semaine prochaine. Par conséquent, il faut les préparer. Il faut leur donner les matériels. Ainsi, l'association Leader Solidaire a prévu pour eux et les a donné. Et ici, aujourd'hui, les fournitures scolaires. En présence des parents, amis et autres, ces enfants ont reçu leurs attestations et ceci dans une grande joie. Pepita, nous avons beaucoup dansé, beaucoup chanté. Au début, c'était difficile, mais à la fin, on a compris comment. Aujourd'hui, je prends mon attestation. Je dis merci aussi à ceux qui m'encadrent. Je vous dis tellement merci que Dieu vous bénisse. Très heureux, les parents remercient les organisateurs et saluent l'initiative. Je ne peux remercier le bon Dieu qui m'a donné l'idée d'amener mon enfant pour pouvoir venir s'entraîner de ce rythme. Vraiment, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai des amis qui m'ont demandé, mon frère, viens, il faut amener ton enfant pour pouvoir s'entraîner un peu dans la musique. J'ai dit, mais il y a ça aussi dans notre commune. Ils ont oui. Donc, vraiment, lorsque je suis arrivé, vraiment, je me suis découvert que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une bonne chose. Le trésorier de l'association Les Leaders Solidaires de Medejonu remercie le Dieu Tout-Puissant, le président et les membres de l'association pour la réussite des différentes activités.